Joas, 505 dans les meilleures courses à l'issue de la première étape hier. Et à mon Dieu, bah, c'est à 505. Secondes 64, ce sont bravo Agathe. Bravo Agathe. Et elle reprend la tête, bien sûr, car on est dans l'ordre inverse du classement provisoire. Donc, dès qu'ils sont en fait, ils prennent la tête du championnat. Jeanne Parenteau, le 484 pour notre grand test. Avec Agathe Doucet-Ferry, la tête sur 505, ou pas du Joas. We'll be right back.
c'est tout juste dans le temps. 46-26, c'est sans faute. Bravo Agathe, nous aurons donc un barrage, quoi qu'il en soit, pour l'instant entre Agathe et Morrigan. Le dernier départ, voici l'Île-de-France avec Uta Dujouas, elle a 2 barres d'avance. Merci d'accueillir et encourager Agathe qui se termine à la septième finale. Deval.
va demander aux trois meilleurs de bien vouloir mettre pied à terre, s'il vous plaît. On va l'accueillir à la troisième marche du podium, c'est la région Bretagne, la catégorie amateur senior. Bravo à Gaël Ramadji, troisième. À la deuxième marche du podium, Léo de France, bravo à Candice Patou, deuxième. Stop. On a la 8e place, si vous pouvez entourer ce joli podium de l'amateur, open amateur. Vous demandez à toutes et tous également avec attention, messieurs, de bien vouloir découvrir et qu'on l'honneur de ce podium amateur, chers seigneurs et seigneurs, retentissent l'hymne national français, la Marseillaise. Cette piste bleue pour célébrer ses titres de champion de France. Bravo à toutes et tous, on a eu une belle bagarre, on a dû les départager au barrage pour la plus haute marche du podium, pour la deuxième et la troisième place également. C'était très serré dans cette catégorie amateur 1. Vous êtes prêtes, mesdames, au bet-a-bot? On est prêt pour célébrer nos champions et nos championnes, surtout. Allez, c'est parti. Entrez dans son musique, sous les applaudissements. Les meilleurs jeunes seigneurs. Allez, je te laisse. N'hésitez pas, on se retrouve.